Bon midi tout le monde, on est live midi 15. Mon invitée, elle est tellement, tellement intéressante aujourd'hui. Là, ça fait 15 minutes qu'on jase, puis genre, mon Dieu, les gens sont gâtés, privilégiés d'avoir Christine Desjardins avec nous. Elle est nutritionniste, détentrice d'une maîtrise en nutrition. Puis on a trouvé vraiment plein de points communs. Vous savez, moi, je suis allée en nutrition parce que je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la nutrition internationale. Je voulais être missionnaire en Afrique. Il y en a peut-être qui ont lu mon parcours. Et puis, j'ai étudié à Ottawa en fait en psychologie. J'ai étudié en ergothérapie aussi. Puis, je me suis dit, non, moi, je veux faire des missions en Afrique. Et puis, je vais aller en nutrition internationale pour essayer de trouver un programme d'études qui va m'aider à contrer la malnutrition dans le monde. Donc, j'ai bifurqué dans les médias par hasard parce que c'est pas ça qui m'interpellait, pas du tout. Puis, me voilà aujourd'hui. Donc, on discutait avec Christine de tout ça. On est déjà 59 personnes. On va attendre un peu. Il est midi 15. Je veux que personne ne manque les précieuses informations qu'on va donner aujourd'hui. On va parler du gluten. Puis ça m'a fait penser qu'il y a 10 ans, je ne sais pas si vous en souvenez, en 2011, Jacqueline Lagacé avait écrit un livre sur le régime hypotoxique, qui est un régime qu'on proposait pas mal à tout le monde. En tout cas, elle, c'était pour vaincre les douleurs et l'inflammation. Mais finalement, ça rejoignait tout le monde. Et puis, on a fait un débat à Isabelle Maréchal ensemble. Et puis, moi, je soutenais à l'époque que le gluten, ben c'était pas nocif pour tout le monde, qu'il fallait être prudent. Puis, je m'étais fait ramasser par Jacqueline Lagacé. Et puis, plus tard, je me suis fait ramasser par la gang du cétogène puis par la gang du paléo. Puis, bon... Comme quoi, la nutrition, ça passe par des modes. Je pense que maintenant, le gluten, on s'y attaque un peu moins. Je pense qu'on comprend un peu plus que c'est pas toxique pour tout le monde. Du moins, on va en discuter avec une experte. J'aime ça avoir des spécialistes dans les Facebook Live. On a plusieurs spécialistes au menu. Tout de suite, je vais vous dire que la semaine prochaine, c'est Geneviève Gagnon, mon amie Geneviève, qui a parti Cours tout un cours. Donc, il y a des livres qui ont connu un franc succès. Et Geneviève, qui bouge constamment, froid, pas froid, pluie, vent, elle est constamment dehors à bouger. Donc, elle va venir nous donner ses trucs pour se motiver, parce qu'on manque souvent de motivation pour sortir bouger. Et à quel point ça lui fait du bien, puis ça fait du bien à toute sa belle gang, mais elle va nous parler aussi du salon virtuel de la santé qu'elle organise le 21, c'est dimanche, retenez ça, le 21 février. Je vais faire tirer des billets aussi. C'est un grand rendez-vous virtuel de la santé avec des spécialistes. On a Éric Pombriand qui vient nous parler de perte de poids. Moi, je donne une conférence également. Je ne sais pas laquelle encore, là, je suis à prévoir. Je pense que je vais faire la conférence sur cesser de manger vos émotions. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui interpelle beaucoup les gens en ce moment. Il y a une recrudescence des troubles alimentaires et on va avoir Chantal Lacroix, Josée Lavigueur qui vont être présents aussi, Sylvain Guimont qui va venir parler de motivation, gestion du stress. Donc ça, c'est dimanche le 21, c'est virtuel, ça coûte pas cher, je me souviens plus c'est combien, mais je vous mettrai le lien un petit peu plus tard et Geneviève sera au rendez-vous. Puis, dernière semaine de février, comme toujours la dernière semaine du mois. Ben, on accueille notre chef, Mélanie Marchand, qui nous fait toujours des recettes super simples. Ça a l'air tellement facile avec elle. Désolée, mon ciel. Je raccroche à l'instant. Bon, alors, on accueille Mélanie chaque fin de mois pour toujours des recettes qui sont super simples. Voilà. Et là, on va attaquer notre sujet d'aujourd'hui, le fameux gluten toxique ou pas. Pour nous en parler, je vous l'ai dit, on a Christine Desjardins, nutritionniste chez Céliac Québec. Céliac Québec, c'est un nouveau nom. Avant, c'était la Fondation québécoise de la maladie cœliaque. Ça vient de changer de nom. Le site a été modifié, il est truffé de ressources. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient les personnes qui souffrent de maladie cœliaque, mais toutes les autres maladies induites par le gluten aussi. Donc, on parle d'hypersensibilité au gluten non cœliaque. On parle d'ataxie au gluten, condition qui est très rare. Et on parle de dermatite herpétiforme. Donc, ça, c'est vraiment plus rare. Là. Christine va vous en parler. Comme je vous disais, elle est nutritionniste. Je vais la joindre. Je vais déjà activer son micro. Je l'ajoute.
Bonjour. Et voilà, c'est super dynamique. Écoute, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais merci d'être au rendez-vous pour parler de gluten. Mais d'abord, Christine, explique-moi le gluten. Qu'est-ce que c'est là pour les gens qui connaissent? Oui, en tout cas, merci de me recevoir, Isabelle. Je suis très contente. Puis c'est la première fois que je fais un Facebook Live, donc j'espère que tout va Alors, bien le aller. Le son est bon, souriante, c'est bien parti. Excellent. Fait qu'en fait, le gluten, Isabelle, c'est une protéine ou si on veut un complexe de plusieurs protéines ensemble, et on le retrouve de façon naturelle dans plusieurs céréales, entre autres le seigle, le blé, évidemment, qu'on connaît bien, le triticale, qui est une céréale un peu moins connue, et l'orge. Donc, il se retrouve de façon naturelle, mais on peut aussi l'ajouter comme un additif dans certains aliments. Puis, le gluten a beaucoup de propriétés en cuisine. Hein. On le connaît pour sa capacité à donner une texture moelleuse, du volume dans les pains et les produits de boulangerie. Donc, est-ce que c'est vrai que le gluten, tu te souviens de l'épisode que je mentionnais avec Jacqueline Lagacé, là, le gluten, c'est pas toxique pour tout le monde, là, rassure la communauté présente. Non, je vous rassure, effectivement, le gluten n'est pas toxique pour la majorité de la population. Le gluten est complètement inoffensif pour la plupart des gens. Par contre, c'est vrai qu'il existe, tu les as nommés tantôt, certaines maladies induite par la consommation de gluten. Et il y a une partie de la population qui souffre de ces maladies-là. Il y a la maladie cœliaque qui est la plus connue, la plus documentée. On parle d'à peu près 1% de la population qui souffre de cette maladie-là. Fait que ça fait à peu près autour de 82 000 Québécois. C'est quand même pas négligeable. Ah, OK. Et moi, quand je vois les statistiques d'ailleurs présentées sur votre site qui est garni de ressources, qui est superbe, on parle de 12 ans entre l'apparition des symptômes, j'aimerais ça que tu me décrives un peu les symptômes, et le fameux diagnostic de maladie cœliaque. Là, c'est long, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir un diagnostic plus proche? Évidemment, c'est pour améliorer la santé parce qu'il y a une déficience nutritionnelle qui vient avec la maladie cœliaque, là. Absolument. En fait, la maladie cœliaque, si tu me permets de l'expliquer un petit peu pour que les gens la comprennent bien, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une maladie auto-immune? En fait, ça arrive quand notre système immunitaire est déréglé. Il y a comme une petite anomalie du système immunitaire. Dans le fond, toute personne a un système de défense. Tu sais, quand on attrape un virus, comme on va dire la COVID, pour ne pas la nommer. Très d'actualité, ouais. Ouais, notre corps, habituellement, est capable de se défendre contre ce virus-là en produisant des anticorps. Et si tout va bien, pour la majorité des gens, on combat le virus. Dans la maladie auto-immune, ce qui se passe, c'est que le corps n'est plus capable de reconnaître qui est le véritable ennemi et l'ami. Donc, dans la maladie cœliaque, le corps reconnaît le gluten comme étant un potentiel ennemi, alors que le gluten, c'est complètement inoffensif. Mais dans la maladie cœliaque, c'est l'inverse, on le reconnaît comme un ennemi. Et là, le corps va produire une grosse réaction immunitaire et de l'inflammation pour se débarrasser du gluten. Mais en même temps, il va attaquer ses propres tissus. Donc, dans le cas de la maladie cœliaque, c'est l'intestin grêle qui va être touché. Donc, ça cause comme une inflammation et une destruction de la muqueuse de l'intestin. Et ça amène une panoplie de symptômes, justement. Parle-moi des symptômes, parce que on parle de 12 ans, là, c'est quoi les symptômes les premiers là, à se manifester? En fait, c'est très particulier. La liste des symptômes est vraiment, vraiment longue. Il y en a jusqu'à 200 possibles. Oh. Ouais. Et c'est des symptômes qui ne sont pas toujours spécifiques. Donc, quand on parle de fatigue comme un symptôme, on s'entend que ça peut être plein de choses, la fatigue, là. Absolument. Disons, les symptômes les plus fréquents, c'est des symptômes digestifs. Donc, des diarrhées, constipation aussi, ça peut arriver, ballonnement, douleur abdominale, nausée. Mais il y a beaucoup de symptômes qui n'ont absolument pas rapport au système digestif, dont la fatigue, les maux de tête. On peut souffrir aussi d'infertilité. Ça peut amener de l'infertilité chez les femmes, de l'ostéoporose, des carences alimentaires et la liste est extrêmement longue. Mais les symptômes les plus fréquents, c'est vraiment des malaises, des symptômes digestifs. Et encore plus particulier, Isabelle, c'est qu'il y a des gens qui ont zéro symptôme.
Il y en a qui n'ont aucun symptôme. Symptômes, mais qui ont l'intestin grêle qui est complètement inflammé. Absolument. On en voit souvent. La maladie, à ce moment-là, est comme dépistée dans un test de routine. Puis on la trouve. C'est pas tout le monde, là, mais ça peut arriver. Puis, pourquoi il s'écoule autant de temps? Bien, c'est exactement ça. C'est que les symptômes sont tellement larges et tellement vastes qu'on ne pense pas tout de suite à la maladie cœliaque. Tu sais, comme un symptôme de fatigue, avant qu'on fasse le lien avec la maladie cœliaque, ça peut prendre du temps. Et certaines personnes ne consultent pas. Et parfois, même quand on consulte, on ne discute pas avec le médecin nécessairement de cette possibilité-là. Exactement. Donc, c'est... Et là, quand tu parles de test diagnostique, est-ce que c'est un test sanguin, un test génétique? Bonne question, oui. Le premier test, ça va être une prise de sang dans laquelle on va mesurer les anticorps, donc les globules blancs ou les anticorps qui se défendent contre le gluten. Et si la prise de sang sort positive, à ce moment-là, le médecin va référer à un gastro-entérologue et lui va vous faire passer ce qu'on appelle une gastroscopie, un examen super agréable que j'ai fait plein de fois dans ma vie, pas pour la maladie cœliaque. Toi, t'es atteinte de cœliaque, non? Non, non. Moi, j'ai une autre maladie intestinale, mais j'ai pas la maladie cœliaque. Okay. Mais c'est pour ça que ça me passionne, ce sujet-là, parce que je connais un peu la réalité des gens qui ont des problèmes digestifs. Donc, la gastroscopie, c'est une caméra qu'on insère dans l'œsophage, l'estomac et jusqu'au duodénum, qui est le début du petit intestin. Puis, à cet endroit-là, on prend des biopsies et on vérifie s'il y a une atteinte de la muqueuse intestinale. C'est comme ça qu'on confirme le diagnostic. Atteinte qu'on n'a pas dans l'hypersensibilité. Mais avant d'aller là-dedans, je veux juste saluer les gens. On a 226 personnes qui... Bonjour tout le monde, merci d'être là. Avec StreamYard, je vois pas. Je vois juste quand vous faites des commentaires. Fait qu'il y en a peut-être qui sont là que je connais. Je vous salue, mais je vois pas vos noms. Il y a Nathalie, entre autres, qui m'a écrit. Ginette, merci beaucoup. C'est le fun. On a Chantal qui a mis de l'avant une belle initiative pour les femmes en Afrique qui cultivent le manioc. Donc, qui est un tubercule qui est pourvu de gluten. Et il y a Lulubelle, qui est une belle compagnie qui font des desserts à base de farine de manioc, entre autres. Là. Ben, merci beaucoup, Chantal, d'être présente. Elle pose la question, Chantal, justement, problème de croissance chez les plus jeunes qui ont la maladie cœliaque, diminution de la vision. Est-ce que tu as vu ça quelque part? Oui. Problème de croissance, vraiment, c'est très, très, très fréquent chez les jeunes. C'est un symptôme, quand on a un retard de croissance là, chez un enfant, qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi, il faut penser à la maladie cœliaque. Et problème de vision, j'ai déjà vu ça. C'est moins fréquent, mais j'ai déjà vu ça rapporté dans certaines études. On ne comprend pas toujours le pourquoi du comment, là, mais oui, j'ai déjà vu ça de rapporter. Et là, j'ai une question ici, Lynn. Bonjour, Lynn. Plusieurs personnes disent avoir une allergie au gluten. Et ça, c'est vrai. Puis, je veux que tu en parles de s'auto-diagnostiquer. Combien de fois j'ai vu ça dans les restaurants? Ah non, moi, je suis intolérante au gluten. Tu sais, c'était presque une mode, là. Tu sais, puis, il y a beaucoup d'auto-diagnostics. Alors que si on a des symptômes gastro-intestinaux, on attaque tout de suite le gluten, mais c'est peut-être les fructanes, qui est un type de sucre, c'est pas une protéine, qu'on va retrouver dans le blé puis qui cause des ballonnements et autres. Fait que c'est très difficile d'établir un diagnostic. Parle-moi de ça, l'auto-diagnostic. Vraiment. Puis, effectivement, Isabelle, tu l'as dit, on a beaucoup tapé sur le gluten dans les années passées. Ouais. C'est devenu une grande tendance de manger sans gluten aussi. Puis, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, à travers les recherches, c'est que dans un grain de blé, par exemple, il y a d'autres molécules qui peuvent causer des symptômes. Puis, tu en as nommé une, le fructane. Il y a plusieurs types de fructane. Il y a un certain type de fructane qu'on retrouve dans le blé, le seigle et l'orge. Et surprenamment, on retrouve le gluten dans ces mêmes céréales-là. Exact. Donc, des fois, on se croit sensible au gluten, mais c'est peut-être le fructane qui est responsable de nos symptômes. Et au-delà du fructane, il y en a d'autres qui sont encore à l'étude. Donc, on croyait que c'était le gluten. Et dans certains cas, c'est probablement le gluten aussi. C'est juste difficile des fois de départager l'un de l'autre. Et le problème avec l'autodiagnostic, c'est que ça se peut qu'en dessous de votre sensibilité au gluten, il y ait une maladie cœliaque qui se cache en dessous de ça. Donc, si vous débutez un régime sans gluten, sans aller consulter votre médecin,
ce qui va se passer, c'est qu'au moment de faire la prise de sang, on recherche des anticorps. Donc, si vous ne mangez pas de gluten, il n'y en aura pas. Et la prise de sang, à ne pas faire parce que ça va être un faux négatif et on veut pas ça. Et on a même des gens du nord de l'Ontario, on est rendu à 260 personnes. Mélanie, bonjour. Nedja, Sylvie, Monica, il y a plein de monde qui... Joanne, Martin, bon, ben super, Marie-Josée. Écoute, tout le monde te salue. Les gens trouvent ça super intéressant. Et là, je voulais tomber dans l'hypersensibilité non cœliaque au gluten qui touche 3 à 6 % de la population. C'est quoi les symptômes et comment qu'on fait pour diagnostiquer ça? Bon, la sensibilité au gluten non cœliaque, ça fait pas très longtemps qu'on étudie ça dans la recherche. Exact. La définition actuelle de la sensibilité au gluten, c'est une personne qui a des symptômes suite à l'ingestion de gluten. Des symptômes qui ressemblent exactement aux symptômes de la maladie cœliaque ou au côlon irritable. Donc, beaucoup de problèmes digestifs, mais on peut aussi avoir de la fatigue, des maux de tête, ce qu'on appelle en anglais le « foggy mind », l'impression d'avoir comme… Moi, je ne l'ai jamais vécu, fait que c'est difficile, mais c'est comme une impression d'être dans la brume, d'avoir l'esprit comme brumeux. Et ça, c'est un symptôme d'hypersensibilité non cœliaque. Donc, on réagit au gluten, puis on sent, c'est-tu relié un peu à la capacité d'attention ou… Oui, exactement, c'est ça. C'est comme, on est présent, mais on n'est pas à 100% présent. Ça peut venir avec des maux de tête, ça peut venir avec une grande fatigue. Donc, ça, c'est des symptômes, on les voit aussi là, dans la maladie cœliaque, mais c'est très caractéristique aussi de la sensibilité au gluten. Donc ces symptômes-là, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire une biopsie ni un test sanguin. En fait, on peut… la première chose à faire, ce serait quand même d'aller en discuter avec le médecin, parce que c'est pas normal d'avoir ces symptômes-là. Ça peut arriver de temps en temps, mais si c'est quelque chose qui se répète, clairement, il y a quelque chose à investiguer. Donc, votre médecin devrait vous faire passer les tests pour la maladie cœliaque. Vérifier si vous avez une allergie au blé, parce que ça se peut aussi, une allergie au blé qui donne des symptômes digestifs notamment. Oui. Et il devrait vérifier si vous avez, par exemple, peut-être un côlon irritable ou une maladie inflammatoire intestinale. Tout ça doit être vérifié. Puis la sensibilité au gluten, c'est comme un diagnostic d'exclusion. Dans le fond, quand il n'y a rien, ben possiblement que c'est une sensibilité au gluten. Puis là, pour valider, ben on retire le gluten, on voit si la personne se sent mieux. Okay. Et ensuite, on réintroduit le gluten pour vérifier est-ce que les symptômes reviennent quand on reprend le gluten. Oh. Donc, en ce moment, c'est pas évident à diagnostiquer. Mais la recherche avance, hein? Je pense que la recherche, elle avance parce qu'il y a des nouveaux, qu'on appelle des biomarqueurs qui vont peut-être nous permettre d'établir justement un diagnostic. Est-ce que les tests génétiques là, qui sont à la mode de plus en plus, ben c'est quand même cher, là, à ma connaissance, entre 350 $ autour de ça, qui vont aller mesurer la susceptibilité de sensibilité au gluten? C'est-tu assez scientifique, ça? Ça vaut-tu la peine de faire ça? Ou... Bien, c'est sûr que ma réponse, ce serait non. Mais il existe des tests. En fait, tous les tests là, qu'on pourrait se procurer, des tests maison, des tests sur Internet, ça ne donne pas un diagnostic. Ça peut vous donner une indication, mais il faut aller valider ça avec les tests scientifiques validés au niveau de la recherche qu'on connaît, donc la prise de sang et la biopsie. Il y a aussi ce qu'on appelle un test génétique, c'est les HLA. Oui. Ça s'appelle HLA-DQ2 et HLA-DQ8. Ouais. Ça, c'est un vrai test diagnostique. Okay. Qui ça ne veut pas dire qu'on va avoir la maladie. Si on a ces gènes-là, on est dans la catégorie de gens susceptibles d'avoir la maladie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des gènes qui sont spécifiques à la maladie. 30 à 40 % de la population possède ces gènes-là, mais seulement 1 % va développer la maladie cœliaque. Donc, ça peut nous donner une indication. En fait, le mieux, c'est quand on le fait, puis on n'a pas les marqueurs génétiques, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne développera jamais la maladie cœliaque. Ah, OK. C'est ça. Et ça peut peut-être attirer notre attention ailleurs, dans le sens, bon, ben c'est pas ça, mais c'est peut-être une allergie au blé ou autre chose là, qui donne les symptômes. Absolument, absolument, absolument. Là, parmi les produits, je me souviens de l'évolution
des produits sans gluten sur le marché. Les premiers produits, là, c'était toute la farine de riz, plein de sel, plein de sucre. Les gens tombaient sur une alimentation sans gluten et prenaient du poids, la glycémie augmentait. Je pense qu'il y a une belle évolution du côté de l'offre alimentaire sans gluten, là. Tellement, Isabelle, tellement. Puis moi, je me souviens aussi, j'ai gradué en 2008, puis je me souviens d'un cours où est-ce qu'on nous faisait goûter toutes sortes de produits. Puis là, il y avait des pains sans gluten. Hey, ça goûtait pas bon. Tu sais, tu prenais ça dans tes mains, là, puis ça se cassait. Ouais, ça se cassait. C'est vrai, mais c'était souvent riz, maïs, tu sais. Puis maintenant, on a une belle offre. C'est quoi tes coups de cœur, là, en termes d'offres alimentaires? Tu peux nommer quelques marques, là. Oui, bien, c'est difficile. J'aime pas nommer des marques, mais... Parce que tu parles au nom de la fondation. Moi, je vais t'en nommer. Bon, je parlais des gâteaux, c'est une amie. Mais j'aime beaucoup ces produits. Ils sont ludiques, ils sont le fun, des gâteaux, des muffins, etc. On a Gogo Quinoa qui font des produits qui sont chouettes. J'aime beaucoup les pâtes alimentaires aux légumineuses. On va avoir des pâtes de lentilles, des pâtes de pois chiches. Évidemment, si vous pensez que c'est le gluten, mais c'est un syndrome de l'intestin irritable, d'avoir un lot de légumineuses qui arrive dans votre assiette de même, c'est pas évident, les symptômes vont empirer. Mais là, on va savoir peut-être que c'est pas le gluten, mais il y a beaucoup de protéines dans ces pâtes-là. J'aime beaucoup Cuisine L'Angélique. J'aime beaucoup l'entreprise, mais j'aime le pain. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs pains sans gluten, avec des beaux grains. Je me souviens plus de la composition exacte, mais sa farine tout usage aussi, qui est vraiment pratique. Puis, tu sais, une belle qualité nutritionnelle derrière. Puis, bon, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est des marques que je trouve intéressantes, là. Moi, ce que je peux vous dire, tu sais, sur notre site de Celiac Québec, on a dans le fond quand même des partenaires. C'est sûr qu'on se tient proche des fabricants. Je ne les nommerai pas nécessairement, mais si vous souhaitez les voir, ils sont sur le site de Celiac Québec. Là, ça pourra vous donner des idées de fabricants, justement, qui t'en as nommé plusieurs en passant. Oui, puis il y en a une qui nous dit Cuisine L'Angélique, super bon. Ben oui, absolument. Ouais. Pour les prêts à manger, il y en a beaucoup qui m'appellent, disent ton prêt à manger, non, il y a de la contamination dans l'usine. Même si on a des plats, et ça, il faut comprendre que même si on a des plats qui sont dépourvus des grains céréaliers, qui contiennent du gluten. Il y en a du gluten dans l'usine. Ils font du pain dans l'usine. Fait que je ne peux pas dire à une personne qui souffre d'hypersensibilité ou de maladie cœliaque de prendre mon prêt-à-manger. Par contre, il y a la cuisine à Christine qui est du prêt-à-manger, qui est disponible dans 800 points de vente et qui ont une certification sans gluten. Ce qui m'amène, Christine, à parler de... Tu sais, on voit de plus en plus le logo sans gluten sur les produits. Il y en a d'autres qui ont une certification qui semble supérieure, mais peut-être je me trompe. Est-ce que juste le logo sans gluten, on peut se fier à ça, là? Oui, absolument. Quand on appose les mots sans gluten sur une étiquette, Isabelle, dans le fond, ça réfère à la réglementation de Santé Canada. Donc, le fabricant est obligé de respecter deux règles. La première, c'est que l'aliment doit contenir aucune source de gluten. Et la deuxième, c'est que l'aliment ne doit pas être contaminé par le gluten. Mmh. Donc, oui, les gens peuvent se fier à ça. Puis, oui. La différence avec avec les mots sans gluten puis un logo de certification, c'est que le logo de certification, il y a un organisme qui vient valider que le processus a été respecté, puis ils vont doser, ils vont prendre des petites parties de l'aliment, ils vont les doser pour s'assurer qu'il n'y a pas de gluten dans le produit. Mais dans la recherche, il y a des recherches qui ont analysé est-ce qu'il faudrait vraiment tout le temps acheter avec un logo, tu sais? Oui. Mais la réponse, c'est non, c'est équivalent. Tu sais, des erreurs, ça peut arriver, là, on en voit de temps en temps, mais c'est autant sécuritaire d'acheter du sans gluten que d'acheter du sans gluten avec un logo de certification. Ah, OK. Ouais. On savait pas ça du tout. Et j'aimerais que tu me parles de l'avoine, parce que l'avoine en soi n'a pas de gluten. C'est-tu permis, pas permis? L'avoine sans gluten, c'est-tu correct? Oui, c'est une bonne question, effectivement. L'avoine régulière est souvent contaminée par le gluten, malheureusement, soit parce que l'avoine pousse très, très proche de champs de blé ou de d'orge, ou c'est la même machinerie qui est utilisée pour la transformer que pour transformer
des céréales avec du gluten. Donc, l'avoine régulière, pour une personne cœliaque ou pour un sensible au gluten, on peut pas la prendre. Donc, on peut, par contre, consommer ce qu'on appelle une avoine sans gluten. Donc, c'est de l'avoine qui a été développée pour vraiment ne pas être contaminée au gluten. Okay. Mais il y a quand même des petites particularités. Il y a certaines personnes qui réagissent à l'avoine, certains cœliaques qui réagissent à l'avoine, même l'avoine sans gluten. Et on suggère d'attendre que la maladie soit contrôlée avant d'introduire l'avoine. Okay. Ça nous permet de voir quand j'introduis l'avoine, est-ce que j'ai une réapparition de symptômes? Est-ce que mes anticorps se remettent à monter? C'est ça la recommandation actuellement de Santé Canada. OK, parfait. Quand on a l'hypersensibilité et non la maladie cœliaque, donc il n'y a pas d'atteinte intestinale, est-ce qu'on doit être aussi strict sur l'alimentation sans gluten à vie, sachant qu'il n'y a pas de malabsorption et que c'est essentiellement bon des symptômes digestifs et autres? Est-ce qu'on peut tolérer un peu comme l'intolérance au lactose où on peut tolérer une petite quantité de lactose, mais pas une grande quantité? Oui. Il y a effectivement une tolérance individuelle dans la sensibilité au gluten. Mm-hmm. Elle est très, très petite, par contre. C'est vraiment pas comme le lactose, on peut s'en permettre certaines quantités, là, jusqu'à 4 grammes, bien souvent, c'est bien toléré. Le gluten, on parle de traces. Les gens vont tolérer des traces, oui. Mais tout est question de symptômes. Hein. Fait que les gens, effectivement, comme il n'y a pas nécessairement toutes les complications qu'on voit dans la maladie cœliaque, ce que la littérature et ce que les professionnels nous disent, c'est qu'on pourrait effectivement tolérer des petites quantités en fonction de nos symptômes. Et est-ce que ce sera, est-ce qu'on devrait suivre ce régime-là à vie? On le sait pas. On le sait pas dans le moment. C'est ça qui est, ça fait tellement pas longtemps qu'on étudie la condition que oui. Je vous dirais, on se redonnerait un rendez-vous dans 10 ans, puis on aura probablement plein d'autres informations sur cette absolument. Condition-là. Déjà en 10 ans, ça a tellement évolué parce tellement. Qu'en 2010, on parlait à peine d'hypersensibilité. Là, ça commençait à peine. Là, on a des questions. Est-ce que ça a un rapport avec les diverticulites? Je te laisse répondre ici. Mm-hmm. C'est Diane qui nous pose cette question-là. Les diverticulites, c'est autre chose. Mm-hmm. La diverticule ou diverticulite, dans le fond, c'est souvent relié à un trouble de transit digestif. Dans le fond, il y a comme de la pression, trop de pression. Mm-hmm. C'est au niveau... dans le fond, ça crée comme une petite poche. C'est comme si l'intestin... faisait une petite hernie, là. Mmh. Puis des fois, cette petite poche-là peut s'inflammer. C'est à ce moment-là qu'on appelle ça une diverticulite. Il n'y a pas de lien à faire directement avec la maladie cœliaque. Quoique, ça peut être présent là, chez un cœliaque aussi, mais il n'y a pas un lien directement entre les deux conditions. Pas de lien. Tu sais, Karine, salut Karine, ça fait longtemps que je t'ai vue. Bravo pour votre excellent live. Bon, ben ça, c'est super. Merci beaucoup. J'ai jamais été diagnostiquée la maladie, mais une forme de colite. J'ai arrêté de manger du gluten il y a 18 ans. J'ai encore des symptômes. Donc, mm-hmm. C'est probablement pas le gluten à ce moment-là qui est exact. Problématique. C'est sûr que je vous recommanderais de consulter votre médecin pour essayer d'investiguer un petit peu plus. Est-ce que c'est la colite qui est responsable de vos symptômes? Sinon, vous pouvez aussi vous faire accompagner par une nutritionniste qui a une expertise en gastro au niveau des pathologies digestives pour voir. Des fois, ça pourrait être ce qu'on appelle les FODMAP. Là. On parlait tantôt du fructane, Isabelle. Les FODMAP, c'est des glucides qui fermentent dans l'intestin et qui peuvent causer différents types de symptômes. Donc, il y a possibilité de faire des tests accompagnés d'un professionnel pour voir si ce ne serait pas en cause là, dans les symptômes. Oui, j'abonderais dans le même sens. Ici, Stéphanie, c'est complexe hein, parce que la sauce soya, il peut avoir du blé. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive justement de produits là, qui contiennent du gluten? J'adore cette question-là. C'est une question qu'on reçoit souvent chez Cœliac Québec. À l'époque, on avait un guide des ingrédients permis et à éviter. Oui. On l'a cessé parce que la réglementation canadienne, elle a changé. Donc, maintenant, c'est vraiment l'étiquette qui va nous permettre. Il faut apprendre à lire les étiquettes. C'est quelque chose qu'on offre, notamment chez Cœliac Québec, une formation sur l'alimentation sans gluten et la lecture complète des étiquettes. Et
pourquoi c'est que les listes peuvent changer à n'importe quand. Un produit qui est sans gluten en 2021 pourrait être plus sans gluten en 2022. Fait qu'on ne veut plus remettre des listes comme ça parce que les gens les gardent très longtemps, puis finalement, ça finit par les induire en erreur. Donc, c'est très, très sage. Ouais. Ici, Lauriane, est-ce qu'on peut trouver une nutritionniste spécialisée? Bien oui, et je vais amener les gens sur le site. Là, on a d'autres questions, mais pour dire que sur ce site-là, il y a des ressources qui sont vraiment incroyables. Je vais essayer de voir si je peux partager mon écran pour vous amener sur le... Ah, j'ose pas, j'ai peur de perdre. je ne l'ai pas fait encore, mais bon, sur ce site, décris-moi qu'est-ce que vous offrez, les ressources que vous offrez sur ce site-là. Bon, en fait, c'est le fun parce qu'on vient de refaire complètement notre site web. Là, il est tout frais là, de quelques jours. Merci, merci. Puis, ben, on fait beaucoup de choses. Hein. Chez Célia Québec, on est une petite équipe, mais avec un gros, gros, gros réseau de bénévoles, de gastro-entérologues, de nutritionnistes, chercheurs, etc. Puis, notre but, c'est vraiment de faciliter la vie des gens cœliaques et de celle de leur entourage. Donc, on va offrir du soutien, éducation, information aux gens cœliaques ou qui ont un problème là, relié au gluten et aussi aux professionnels de la santé qui entourent ou qui accompagnent ces gens-là. Donc, on a, pour tous les gens qui deviennent membres de Cœliaque Québec, on a des livrets complets, 5 livrets d'informations sur la maladie, son traitement, comment vivre avec la maladie parce que c'est une maladie qui n'est pas évidente, là, manger sans gluten. Pour ceux et celles qui le font, ce n'est pas évident. Beaucoup de fardeaux reliés à tout ça. On offre la formation, une formation sur l'alimentation sans gluten, comme je le disais tantôt. Des formations pour les nutritionnistes, pharmaciens, médecins. On a... c'est sûr que je ne pourrais pas... Non, je ne les nommerai pas toutes. Hein, vraiment. Ça m'amène à une question qu'on a reçue où on demandait une nutritionniste spécialisée ben, sur le site. Oui. Rentrez votre région, ça va sortir une liste de nutritionnistes spécialisés. Je pense que c'est les meilleurs pour vous conseiller comment adapter votre alimentation. Et sur les, je sais pas, on est peut-être, il y a peut-être 3000 nutritionnistes au Québec, ben il y en a là-dedans qui ont une spécialité sur tout ce qui est maladie gastro-intestinale. Ça vaut vraiment la peine d'aller consulter. J'ai plein de félicitations pour toi, Guylaine Lebrun. Félicitations. Je pense que tu avais une amie qui te saluait tantôt. aussi. Donc, Lauriane, on a répondu à ta question. Marie-Hélène Truplan, en tout cas, ça a l'air une de tes amies. Est-ce que les probiotiques, ça serait bon? Tiens, Yolande. Ah, c'est tellement une bonne question, ça aussi. Il y a la recherche explose en ce moment sur les probiotiques. Pour le moment, on n'a aucune recommandation pour la maladie cœliaque. Donc, malheureusement, je peux pas vous dire qu'il y a un produit à essayer ou à prendre pour la maladie cœliaque, mais les recherches sont à surveiller là-dessus parce que on ne sait pas exactement ce qui est la cause de la maladie cœliaque ou la sensibilité au gluten, là. Et on suspecte possiblement une perturbation de la flore intestinale. Ça, c'est dans les hypothèses là, qui pourraient peut-être expliquer la maladie. C'est probablement multifactoriel, là, mais ça, c'en est une. Mais pour l'instant, rien du côté des probiotiques. Hey, le microbiote, c'est tellement intéressant. On va revenir sur ce sujet-là parce que c'est vraiment intéressant. Hey, bravo, un beau compliment pour toi, Deline. Vous connaissez très bien votre sujet, très complet en peu de temps. Donc, une belle réflexion pour toi. Merci. Est-ce qu'une colonoscopie ici peut détecter, justement, parce qu'on conseille à 50 ans et plus, je pense, la colonoscopie? Oui. Bien, la maladie cœliaque touche le petit intestin. La colonoscopie ne va pas jusqu'au petit intestin, c'est vraiment juste le côlon qui va être testé à ce moment-là. Donc, on ne peut pas dépister la maladie cœliaque avec la colonoscopie. C'est par l'autre bout. Hey, ta réponse à tout, j'adore ça. Est-ce que je devrais prendre un supplément de B12 si j'ai la maladie cœliaque? Alors là, c'est très personnalisé. Il n'y a pas de recommandation spécifique. Certains médecins vont suggérer de prendre une multivitamine au moment du diagnostic et d'autres vont plutôt suggérer de personnaliser les suppléments. Donc, mon conseil à ce niveau-là, ce serait vraiment d'aller voir une nutritionniste expérimentée en maladie cœliaque qui, elle, va analyser
vos apports alimentaires, votre bilan sanguin, et elle pourra vous recommander la supplémentation appropriée à ce moment-là. Ah, absolument. Mais la B12, effectivement, juste pour répondre, la B12, c'est une vitamine à surveiller dans la maladie cœliaque, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. Diagnostiqué cœliaque depuis cet automne, Maggie, beaucoup de douleurs articulaires malgré la médication, est-ce considéré comme l'ataxie au gluten, quels sont les symptômes? Est-ce qu'il y a des médicaments qui apportent du gluten? Bon, il y a beaucoup de questions là-dedans. Je vais essayer de. Je peux répondre, là, dans le fond, pour les douleurs articulaires. Il faudrait voir, est-ce qu'il reste de la contamination au gluten dans votre alimentation? Ça pourrait expliquer une chose. Sinon, il faudrait voir au niveau médical, est-ce qu'il n'y a pas. Parce que la maladie cœliaque, des fois, vient avec d'autres maladies auto-immunes, comme l'arthrite. Ça, c'est un exemple. Donc, il faudrait aller voir, est-ce qu'il y a une autre cause à ces douleurs-là? Puis, dans les médicaments, ça peut arriver qu'il y ait du gluten dans vos médicaments. Ah oui? Il n'y en a pas énormément. D'après là, l'industrie pharmaceutique, le gluten n'est pas beaucoup utilisé, mais surveillez pour la présence d'amidon dans vos médicaments. Le problème, c'est que des fois, le fabricant n'indique pas si c'est de l'amidon de blé, de maïs ou d'autres choses, là. Mais faites-vous aider de votre pharmacie pour obtenir la liste d'ingrédients de vos médicaments. Puis, parfois, on peut appeler la compagnie aussi pour valider si le médicament contient ou pas du gluten. Très, très bon point. Josiane nous dit qu'elle a et la maladie de Crohn et la maladie cœliaque. Ça, je ne savais pas que c'était possible. Donc, tu as vu ça, les deux ensemble. C'est possible, oui. Et est-ce que l'alimentation en ce moment-là, c'est encore plus complexe ou? C'est sûr que c'est une alimentation déjà sans gluten. Puis durant les crises de maladies de Crohn, ça va amener aussi certains changements. C'est sûr que ça dépend des degrés là, de maladies de Crohn. Il y en a que c'est bien contrôlé, il y en a que c'est moins bien contrôlé. Mais oui, ça va amener une difficulté de plus. Je pense que ça vaut la peine encore ici de voir une nutritionniste spécialisée. Mm-hmm. Parce qu'elle va vraiment pouvoir personnaliser les conseils. Ça fait toute la différence. Encore plein de beaux compliments pour toi. Ici, gluten, anxiété. On lit que ça peut avoir un lien. Et j'aime ça parce qu'il y a un lien entre le microbiote et la dépression et l'anxiété et le stress. On est tout après découvrir tout ça. C'est fascinant, la science. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Christine? La réponse, c'est oui. On voit ça dans la liste de symptômes, là. Anxiété, dépression. On ne comprend pas exactement la physiopathologie, là, comment ça que ça survient. Premièrement, d'avoir des symptômes puis de se sentir pas bien, c'est pas très facile pour le moral. Donc, il y a ça qui est une possibilité. Oui. Il y a possiblement un lien avec le microbiote aussi. Puis, il y a une étude super intéressante chez les enfants qui est sortie cette année qui démontrait que c'est autour de 16 % des enfants qui souffrent d'anxiété. Les enfants cœliaques, là, 16 % souffrent d'anxiété. C'est nettement supérieur à la population générale. Okay. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là de super intéressant d'approfondir. La science, je vous le dis, elle évolue tellement en nutrition. On va refaire la même chose dans un an, puis on va avoir encore du nouveau contenu. Chantal de Verger d'Afrique. Attends, c'est pas ça. Ça vient de cogner à ma porte. Ça arrive tout le temps dans des moments. Ouais, c'est correct, c'est un colis. Non, c'est un colis. Je vais en parler au monde deux minutes. Chantal nous partage Lulu Belle. Je vous en ai parlé tantôt. Je fais souvent des migraines. Est-ce que c'est la maladie cœliaque, beaucoup de gaz, de ballonnement? C'est parce que c'est ça peut être tellement de choses. Tu sais, les migraines, les gaz, les ballonnements ensemble, tu sais. Exactement. C'est une possibilité. Il faut investiguer. Il faut vraiment investiguer. Parlez-en à votre médecin. Il faut investiguer. Il ne faut pas trop attendre. Puis, il ne faut pas faire un autodiagnostic non plus. Mélanie, sa fille a un colon irritable, très anxieuse. Quelle diète? Ça aussi, on a eu un Facebook Live comme ça avec Christelle Dubé d'Équipe Nutrition qui nous a parlé du syndrome du colon, de l'intestin irritable. Parce que ça peut toucher toutes les parties de l'intestin. Et je vous invite à aller l'écouter. Tous les Facebook Live sont maintenant en permanence sur mon site isabelluot.com. Donc, allez l'écouter. Et puis, elle parle d'alimentation faible en FODMAP. Christine l'a abordé tantôt aussi. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de le mettre de l'avant.
d'aller l'écouter puis d'intervenir comme ça. Si tu veux répondre à ta porte, il n'y a pas de souci. Non, je regarde, je vois ma cour avant, puis là, je voyais du mouvement, il est parti. Mais c'est ça qui est le fun d'un live, mon téléphone sonne, ça cogne à la porte, il n'y a pas de problème. Guylaine, félicitations, Christine, superbe entrevue en direct. Y a-tu d'autres questions pour Christine pendant qu'on a la spécialiste avec nous? Est-ce qu'il y a un jour, il va y avoir un vaccin pour qu'on compte, pour qu'on réagisse plus au gluten? C'était en développement il y a quelques années. Il y en avait un potentiel, mais il n'a pas passé la phase 3 de recherche. Donc, on n'en a pas pour l'instant, mais il y a à peu près une trentaine de molécules à l'étude pour soit prévenir ou permettre de peut-être reconsommer un petit peu de gluten, mais en ayant, un médicament associé. Je pense pas qu'un jour les cœliaques vont pouvoir se permettre de remanger du gluten à 100%. Pas dans le moment, mais peut-être qu'on pourrait combiner avec un médicament qui permettrait des traces ou des petites quantités là, de gluten. Même chose pour comme le lactate qu'on va prendre avec du lactose. Il y aurait peut-être éventuellement quelque chose comme ça. Éric nous dit, depuis qu'il a coupé le gluten, sa glande thyroïde va mieux. Avant, il était anormal. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si tu as déjà. Okay. Je pourrais pas vraiment dire si le lien est là, mais je peux vous dire qu'il y a une maladie auto-immune de la glande thyroïde qui vient parfois avec la maladie cœliaque. Voilà. Mais peut-être. Mais il n'y a pas de lien. Le régime sans gluten pour les maladies de la glande thyroïde n'est pas nécessairement conseillé. Donc, qu'est-ce qui a causé ça exactement? Moi, je ne sais pas, mais. Ça non plus. Est-ce que le régime sans gluten amène des carences alimentaires? Donc, on exclut le gluten. Est-ce que ça amène des carences? Bonne question. Très bonne question. Oui, il faut faire attention parce que quand on élimine le gluten, on élimine une panoplie de céréales qui sont très riches en nutriments. C'est comme le blé entier qui est très riche en fibres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la farine de blé au Canada, elle est enrichie de fer et d'acide folique. Mm-hmm. Puis les produits, les farines sans gluten ne sont pas obligées d'être enrichies. Donc, on perd un peu de nutriments et la variété alimentaire, effectivement, elle est moins là. Donc, il faut quand même être vigilant. Puis, les produits sans gluten, il y en a des très santé, là, tu en as nommé tantôt, Isabelle, mais il y a encore beaucoup de produits qui ne sont pas super intéressants, faits avec de la farine de riz, maïs, pommes de terre. Là. Donc, voilà. Donc, oui, il faut être vigilant pour les carences alimentaires. OK, parfait. Attends, j'avais une question sur la gastroparésie. Bon, tu connais, tu peux répondre. Parfait, moi, je ne sais pas quoi répondre. mon conjoint a une gastroparésie, de quoi pour l'aider à part manger en petite quantité? Merci à vous. Bon, on sort un peu du cadre du gluten. C'est moins ma spécialité. Une gastroparésie, c'est un retard de la vidange gastrique. C'est une atteinte souvent des nerfs de l'estomac, puis l'estomac se vide. C'est comme si l'estomac était paresseux. On peut voir ça comme ça. Oui, fait qu'on a souvent une sensation de plénitude, nausée. On peut avoir tendance au vomissement alimentaire aussi. C'est vraiment la meilleure recommandation. C'est petit repas fréquent, peu de gras. Ah. Des repas qui sont moins lourds, dans le fond. Oui. Limiter la quantité de gras aussi. Ah. Bravo, tu vois, c'est pas ta spécialité. Puis quand même, Chantal nous demande pourquoi il semble avoir moins de diagnostics en Afrique. Ici. Est-ce que ces études sont assez médiatisées dans les pays en voie de développement? Car j'ai l'impression que cette maladie la maladie-là qui est moins connue en Afrique. Oui bien effectivement. C'est difficile, il manque de données. En Afrique puis en Asie, là, il manque vraiment de données sur la prévalence de la maladie cœliaque. C'était jusqu'à récemment là, une maladie, on va dire, là, occidentale. Là. Europe, Amérique du Nord, c'est très, très documenté, mais ça s'en vient. Ça s'en vient parce qu'on le sait pas exactement. Est-ce que les personnes originaires d'Afrique souffrent, dans le fond, est-ce que la prévalence est la même? On le sait pas dans le moment. OK. Et là, on va te laisser aller bientôt, là, vite, vite, là, y a-t-il d'autres choses?
depuis décembre, j'ai eu un diagnostic cœliaque. Depuis, l'intolérance au lactose est apparue. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait possible parce que l'enzyme qui digère le lactose, qui est la lactase, est produit dans le même bout d'intestin qui est touché par la maladie cœliaque. Donc, les gens, quand la maladie est active, il y a beaucoup de cœliaques qui vont avoir aussi une intolérance au lactose. Quand la maladie est contrôlée, parfois ça évolue vers une résolution de l'intolérance au lactose et parfois ça reste là. Ça dépend des gens. Ouais. Très, très bon point. On nous parle d'eczéma. Comment savoir si c'est relié au gluten? Ça peut être tellement de choses. Moi, j'avais tellement d'eczéma quand j'étais jeune. On m'attachait les mains et les pieds parce que je me grattais au sang. Toutes les nuits, gratter au sang, là, incroyable. Et j'ai beaucoup, beaucoup souffert d'eczéma. Puis aujourd'hui, mon frère aussi, plein de problèmes. Il y a la dermatite herpétiforme, justement. Il y a le cœliaque aussi. Fait qu'en tout cas, on a beaucoup de problèmes de cette nature-là. Ah, ouais. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça, l'eczéma? Oui. C'est clair qu'il faut consulter un médecin ou dermatologue pour pouvoir évaluer, parce que la dermatite herpétiforme, là, ça ne ressemble pas exactement à l'eczéma. Là. Un dermatologue est capable de faire la différence entre les deux. Oui. L'eczéma, effectivement, peut être de causes tellement multiples, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien à faire avec le gluten, mais les personnes cœliaques sont 3 fois plus susceptibles de souffrir d'eczéma qu'une personne qui n'a pas la maladie cœliaque. Hey, ouais. Écoute, t'es tellement bonne. Dernière question. Le lien entre diabète de type 1 et cœliaque. Je suis cœliaque, mes enfants le sont. Mes deux filles ont aussi développé le diabète de type 1 après 7 ans sans gluten. Bonne question, Geneviève. On a tellement des bonnes questions, j'aime ça. Oui! Vraiment. Mais oui, le diabète de type 1, c'est une autre maladie auto-immune. C'est une des maladies auto-immunes qu'on voit le plus fréquemment associées avec la maladie cœliaque. De mémoire, je crois que c'est à peu près 8 à 10 % des enfants cœliaques qui développeront un jour le diabète de type 1. Mmh. Donc, et ce qu'on ne sait pas dans le moment, c'est, disons qu'on est cœliaque, est-ce que le fait de manger sans gluten prévient d'autres maladies auto-immunes? Justement, on ne sait pas. Il y a des études qui disent oui, d'autres études disent que non. Mais bon, de toute façon, on recommande le régime sans gluten dès le moment où la maladie est confirmée. Est confirmée, parfait. Mmh. Bon, je pourrais continuer 2 heures, honnêtement. On a encore 200 personnes qui sont là, d'autres qui sont à la thyroïde, l'arthrite et tout ça. On a répondu un peu plus haut. Fait que je voudrais qu'on finisse sur... Allez sur Cœliaque Québec, j'ai mis le site ici, il y a plein de ressources. Vous pensez que vous avez les symptômes, allez voir votre médecin, évitez l'autodiagnostic. Allez sur le site Cœliaque Québec aussi, si vous êtes cœliaque ou hypersensible, abonnez-vous, hein? Je pense que ça vaut la peine. Comment ça coûte un abonnement à la fond? Ouais. C'est dans le fond, c'est 90 $ pour la première année. Puis ça vient avec les 5 livrets d'informations, la formation alimentation sans gluten gratuit qui est inclus, des coupons rabais, des outils sur la lecture d'étiquettes et l'abonnement à notre magazine. Dans le fond, on a un magazine qu'on envoie 3 fois par année à tous nos membres. C'est vraiment pas cher pour tout ce que vous offrez comme ressources. Puis les compétences, on le voit avec toi ce midi, à quel point tu es compétente, ta réponse à tout. Fait que je pense que consulter un site qui repose sur la science, vraiment, plutôt que tout ce qu'on voit un petit peu partout sur le web, qu'on dit n'importe quoi sur le gluten, bien là, c'est validé, tu es au courant des dernières recherches. C'est ton cas, c'est le cas des gastro-entérologues, c'est le cas des autres spécialistes sur le site de Cœliaque Québec. C'est la destination, si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer aussi une nutritionniste qui est spécialisée dans le domaine, vous allez sur le site et il y a un outil de recherche qui est super le fun. Merci infiniment aux 200 personnes qui étaient présentes ce midi. On est monté jusqu'à 270. C'est un record. Donc, c'est un sujet qui vous allume. Ça intéresse les gens gluten, oui, oui. Oui, vraiment. Puis Christine, tu es tellement, tellement bonne. On veut te revoir cette année. Tu es extraordinaire. Merci à tout le monde qui avait posé des questions. La semaine prochaine, on accueille Geneviève de Courte-Toutoune.
cours. Et là, je mets fin, mais reste là, je vais te dire quelques mots, Christine. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Isabelle aussi. Ben écoute, c'est un grand plaisir. Alors, à bientôt tout le monde. Bon lunch, si vous n'avez pas mangé.